Certaines personnes ont la vie plus facile que les autres, surtout quand elles sont célèbres. Prenez Zac Efron par exemple. S'il a fait des débuts timides sur les tournages de séries comme Urgence, c'est finalement grâce à son rôle dans la série américaine Summerland qu'il s'ouvrira les portes du succès. Beau brun et aux yeux bleus, il n'en a pas fallu plus à la production d'High School Musical pour trouver en lui l'atout charme de la série. La suite, on la connaît. Zac Efron a, beaucoup, pris en muscle et en sexy attitude. Jusqu'à ce qu'il apparaisse le visage légèrement modifié. Chirurgie ou non, à 33 ans. Zac Efron n'est pas le seul homme potable de la famille. Bien au contraire, son frère Dylan a un sacré potentiel. Et monsieur partage la passion de Zac, le cinéma. Justin Theroux a un physique à faire pâlir de jalousie pas mal d'acteurs de sa génération. Pas de quoi rendre chèvre son frère et assistant Sébastien, copie conforme du comédien avec 17 ans de moins. Margot Robbie n'est pas en reste. L'une des femmes les plus canons d'Hollywood a un petit frère. Cameron. Et monsieur a tout d'un grand. Du moins les tablettes et le sourire bricht, marque de fabrique de la famille. Si Blake Lively partage déjà la vie du charmant Ryan Gosling, elle avait déjà l'habitude de côtoyer des mecs sexy. Son frère Eric en est la preuve. À 39 ans, il est l'alter ego de sa bombe de sœur en version mec. Malheureusement pour les intéressés, il est marié et pas prêt de changer d'avis. Pink n'est pas en reste. La chanteuse déjantée a présenté son frère Jason à sa communauté. Le regard charmeur, le sourire en coin et la barbe de 3 jours ont eu raison des fans. Le family portrait a en tout cas été plus qu'apprécié. Chris Evans est un peu le modèle de son petit frère Scott. Pas de doute sur la ressemblance, les deux font bel et bien partie de la même famille. En revanche, les frangins ne se sont pas beaucoup disputés au sujet des filles. En 2009, Scott a fait son coming out. D'avoir ouvert son cœur, il en a brisé des milliers. Et vu comme il est canon, c'est peut-être tant mieux pour son frère.